Salut à tous, c'est RetroLove, bienvenue, je vous retrouve pour une petite vidéo Guild Wars 2, et ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de contenu Guild Wars 2, il est vrai, à part en live bien sûr. Euh, je voulais vous présenter un petit build avec lequel je joue depuis quelques temps et qui m'amuse beaucoup. Euh, un build basé sur l'interruption. Vous savez que j'aime bien l'interruption. Et, euh, et donc voici un petit peu ce, ce mirage avec quoi on va jouer. Alors, nous allons jouer avec je vais la dague parce que la dague en fait avec le mirage maintenant qu'on peut l'utiliser, ça donne une attaque d'embuscade qui balance de la, de la stupeur. Et donc cette stupeur va être intéressante parce que ça va nous permettre de beaucoup contrôler C'est aussi une attaque qui va mettre de la donc, met de la stupeur bien sûr, du saignement et du tourment et du dégât également. Donc plutôt une compétence très forte avec le avec le mirage. Donc l'attaque d'embuscade bien sûr, c'est l'attaque que vous faites quand vous esquivez. Avec, euh, avec le mirage, ou quand vous passez à l'intérieur de vos miroirs. Donc ensuite la dague, bah, vous la connaissez, le, le 2 pour euh, un petit dégât à distance et un clone, un petit dégât de zone, là encore, euh, utile. On va jouer avec le pistolet, parce que le pistolet met pas mal d'altération avec le 2, euh, compétence à distance, c'est assez intéressant, et vous avez surtout la balle magique qui est une interruption. À distance, qui va mettre de la confusion, beaucoup de confusion, qui va mettre du coup un, un étourdissement, ça va être intéressant pour nous, et qui va rebondir sur plusieurs mecs pour mettre de la confusion, de l'aveuglement, de la stupeur, d'étourdissement, bref, un gros panel d'altération de, 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 et, de, et de contrôle. En switch, on va jouer avec l'épée, parce que l'épée bénéficie de la même chose finalement que, le, que la DAC, c'est-à-dire que l'attaque d'embuscade permet d'avoir un jump qui va mettre du dégât et caler de la stupeur, donc ça va mettre donc un contrôle à chaque fois. Vous allez avoir la brume frénétrique qui vous rend invulnérable pendant, pendant quelques, quelques temps, donc, euh, enfin une seconde, hein, c'est pas fou, mais ça permet quand même d'esquiver un gros burst. Bon illusoire qui vous permet d'avoir un petit peu de mobilité supplémentaire, vous allez avoir... Le bouclier, maintenant qu'il est jouable euh, sur le, le Mirage, qui vous permettra de, de bloquer tout simplement et de gagner du temps. Donc, ça vous fait gagner du temps pour avoir votre endurance qui se régénère, par exemple, ou juste gagner du temps pour pouvoir de, simplement avoir de nouveau vos compétences. Et bref, ça permet aussi de, de bloquer des, des potentiels bursts qui vous arriveraient. Et la marée temporelle, donc un contrôle de zone que vous allez balancer devant vous avec le bouclier qui est assez intéressant. Par exemple, quand il va y avoir une situation de cleave ou de raise à faire, ça empêchera les, les, euh, les potentielles résurrections de se, de se faire. Ensuite, en utilitaire, nous jouons avec le miroir de Mirage, donc qui vous permet de vous soigner, de gagner de la vigueur, mais surtout, ça permet d'avoir un miroir de mirage, et quand vous allez rentrer à l'intérieur de ce miroir, vous allez gagner une compétence d'embuscade, ce qui va vous permettre de pouvoir spammer, en fait, votre, euh, votre compétence numéro 1, en fait, sur les deux sets d'armes. Ici, deux choix, alors, soit vous prenez le clignement, comme dans tous les builds de Mesmer, exactement, bien sûr, <laughs> ou alors, vous prenez ce que j'ai pris là, c'est un peu clunky à utiliser, c'est pas forcément la meilleure compétence, mais ça reste un breakstone, et surtout, c'est un breakstone qui fait proc un miroir de mirage, donc... Qui vous fait proc une attaque d'embuscade encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir avec le build, c'est que les attaques d'embuscade vont aussi fonctionner sur les clones, ce qui veut dire qu'eux aussi potentiellement vont pouvoir euh, apporter du dégât et du CC et tout le bordel. Ensuite, on prend le Signe des Illusions qui fait proc des clones, et surtout quand vous l'activez, ça va vous permettre de reset tous les cooldowns de vos compétences de brisure. Donc ça, ça vous permet de pouvoir de nouveau faire la distorsion, par exemple, pour devenir invulnérable, et de de nouveau avoir une attaque d'embuscade. Vous allez voir ça après. Embuscade illusoire, donc des... attention, ce n'est pas un breakstone, ça, ça peut s'utiliser quand on est stun, mais ce n'est pas un breakstone. Ça fait que vous allez vous déplacer autour de l'adversaire, vous allez briser votre ciblage, et vous et vos clones, vous allez faire une attaque d'embuscade là encore. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous voyez qu'il y a beaucoup de moyens d'avoir des attaques d'embuscade. Et la promenade qui va être une source de dispel d'altération, parce qu'il n'y a pas beaucoup avec ce build, c'est son gros défaut, qui va vous mettre. Un Petit bon qui permettra donc de faire des zones de coups de grâce de bon. Ça peut être intéressant parce que d'ailleurs, cette zone là, c'est une zone d'éther hein, qui peut vous faire proc de l'armure du chaos, donc pourquoi pas l'utiliser là-dedans? Et surtout, ça met trois stacks de confusion, donc ça permet de, de faire un petit peu de dégâts là encore. Voilà, au niveau de, euh, du stuff, alors au niveau du stuff, nous allons utiliser une amulette de sorcier. Pourquoi? Parce qu'il nous faut de la précision en masse. Précision parce que nous allons jouer avec l'arbre de talent duel, et l'arbre de talent duel, vous voyez qu'il est hyper important pour avoir de la précision pour avoir de, du saignement, d'avoir de la précision parce que ça va être grâce à nos coups critiques qu'on va mettre du saignement donc ça vaut le coup d'avoir un maximum de précision d'où l'amulette le, le, de sorcier on pourrait bien sûr partir vers une amulette enragée mais vous n'aurez pas un assez gros pool de dégâts bruts parce que c'est un build qui fait quand même pas mal de dégâts bruts vous allez voir parce que euh, on va mettre quand même beaucoup de, de vulnérabilité sur le mec aussi euh, et finalement il y a l'épée qui tape assez fort, il y a quand même les chasseurs qui vont taper assez fort aussi donc voilà, c'est plutôt un build hybride, hein, plus qu'un build d'altération celui-ci. Donc amulette de sorcier, puissance, précision, vitalité, dégâts par altération. Ça fait qu'on a quand même 1100 dégâts par altération, c'est pas énorme, mais c'est une bonne stat. Ensuite, ici, rune de voleur, donc pareil, précision, dégâts par altération, c'est ce qui nous permet d'avoir un pool de dégâts d'altération, vous le voyez là, il est à 43%, sachant qu'avec la fureur ça va encore augmenter, parce qu'on aura de la fureur assez régulièrement, et de gagner un peu de dégâts par altération également avec, euh, avec la rune de voleur. En relique, on va utiliser la relique de la reine des démons qui va vous permettre en fait d'empoisonner euh, à chaque fois que vous allez mettre un contrôle sur l'adversaire. Donc là, bah, vous comprenez le délire, hein, c'est que vu que vous allez avoir beaucoup de stupeur et beaucoup d'attaques de, 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 d'embuscade de manière générale avec le mesmer je vous rappelle que c'est la distorsion hein, qui met de la, qui met un contrôle. Euh, et bien, vous allez mettre le mec sous empoisonnement en permanence et surtout, bah, ça va être intéressant, c'est que cet empoisonnement-là va réduire davantage les soins qu'il qu va recevoir, ce qui veut dire qu'il va recevoir encore moins de soins que ce qu'il en recevait avant. Ensuite, des cachets de purification sur les deux sets pour purger les altérations, parce que ce build, en, on en manque cruellement, et des cachets d'énergie pour régénérer votre endurance quand vous allez switcher d'armes. Ce sera très utile euh, quand vous voudrez euh, faire vos attaques d'embuscade. Vous pouvez aussi opter pour euh, la relique d'aventurier qui va vous permettre de gagner de l'endurance quand vous allez vous soigner. C'est une option et la, rue, la rune ici d'akim qui vous permet d'avoir un gros burst de confusion, mais attention, vous l'aurez pas souvent parce que vous n'allez pas mettre beaucoup beaucoup de tourments avec ce build. Donc c'est pour ça, je pense pas que ce soit franchement le meilleur, euh, la meilleure option pour ce build là. Mais par contre, voilà, ça peut mettre quand même des gros bursts, donc ça peut être intéressant. Et l'antitoxine aussi peut être intéressante pour avoir un peu plus de dispel si jamais vous en manquez. Mais je trouve vraiment que cette rune là, oh merde, je suis tombé. Cette rune-là, la rune de, de la reine des démons, est vraiment la plus, la plus adaptée pour, pour ce qu'on essaye de faire là. Ensuite, euh, attends, j ai, j ai proc. Oh, C'est bon. Ensuite, au niveau des arbres de talent, donc on va jouer avec Mirage, bien sûr, avec Domination et avec Duel. Alors, on va jouer avec Domination. Donc, la vulnérabilité. Euh, on en affiche quand on va interrompre l'ennemi. Donc la vulnérabilité c'est l'augmentation de dégâts, hein, dégâts bruts et dégâts par altération. Donc interrompre, vous avez compris qu'avec ce build il va y en avoir énormément. En fait le mec il va toujours être à 25 stacks de, de, de vulnérabilité tout le temps. Voilà. Ce qui veut dire que même quand vos adversaires vont le taper, ils vont euh, taper plus fort aussi. Donc c'est vraiment très intéressant. Les compétences de brisure infligent vulnérabilité. Bon, euh, pff, bien, mais euh, c'est par défaut. Hein. C'est parce que les deux autres sont pas très intéressants. Mais euh, on va pas forcément faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de brisures, mais c'est toujours ça de prix. Infliger stupeur ou étourdissement confère aussi de la vulnérabilité. Donc, ça, c'est quand même un peu. Euh, c'est redondant quand même. C'est vraiment deux talents qui sont. Euh, ouais. c'est intéressant parce que c'est bien, bien la vulnérabilité, mais finalement, c'est quasiment deux talents identiques. Quand vous interrompez un ennemi, vous allez bénéficier de célérité. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous allez interrompre par exemple avec votre dague vous allez pouvoir spammer très vite votre 1 derrière. Et ça, c'est quand même très intéressant pour faire beaucoup de dégâts. Vous infligez des dégâts de frappe supplémentaires pour chaque charge de vulnérabilité sur votre cible. Ça veut dire que notre, notre vulnérabilité, basiquement, est plus puissante quand on va, quand on va en caler. C'est pour ça que je préférais la rune de sorcier, la mulette de sorcier, pardon, qui mettait de la puissance parce que ça permet d'avoir quand même de bons gros, de bons gros coups bruts euh, en plus de nos dégâts par altération. Ici, blocage de pouvoir. Donc, vous infligez faiblesse à tous les ennemis qu'on interrompt. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, ce qui fait que les, les mecs qui vont jouer en power auront des coups critiques négatifs, qui vont faire moins de dégâts. Euh, vous allez mettre du dégâts, donc 798, et le temps de recharge de la compétence interrompue est augmenté à 15 secondes. C'est très, très fort. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez interrompre une compétence, la compétence se rechargera pendant 15 secondes. Imaginez quand vous allez interrompre un heal, ce qui va forcément arriver tellement vous allez interrompre, même sans faire exprès, vous allez l'interrompre avec ce avec ce build. En duel, ici, vous obtenez vigueur lorsque l'on inflige un coup critique, d'où encore l'importance d'avoir des coups critiques, parce que la vigueur permet de recharger l'endurance et donc de faire des attaques d'embuscade. Les compétences de pistolet vont euh, se recharger plus vite quand on va interrompre un mec, donc là bah, encore une fois, on aura la, le pistolet tout le temps. On pourrait presque mettre le pistolet sur les deux sets, en fait, avec ce build, ça fonctionnerait très bien. D'ailleurs, vous pouvez essayer de le faire, hein. sur les deux sets, vous pouvez le mettre. Parce que vous, vous interrompez tellement en fait avec vos compétences d'embuscade qu'en fait vos compétences de pistolet sont rechargées <laughs> quasiment instantanément. Testez, vous verrez, c'est surprenant et c'est euh, c'est rigolo. Voilà. Euh, les illusions infligent saignement lors de leur coup critique. Donc ça c'est ce qui nous permet justement d'infliger beaucoup de dégâts avec le, les compétences de de, de DAG parce que en fait ça va mettre plusieurs petits projectiles donc trois à chaque fois multipliés par les par les trois les trois illusions. Donc ça commence à faire intéressant là en termes de, de potentiel de dégâts. La compétence numéro 2 de brésure inflige de l'aveuglement et de la confusion parce qu'on a pris l'inaptitude. Donc ce qui veut dire que vous allez souvent aveugler les mecs, vous allez comprendre pourquoi après. Vous gagnez de la fureur ainsi qu'à vos alliés quand vous infligez un coup critique. Donc là encore, ça permet d'avoir encore plus de coups critiques. Et ici, le, un de mes talents préférés de, de l'envoûteur, l'incompétence qui permet d'infliger de l'aveuglement. Quand on va interrompre un ennemi et que l'aveuglement inflige de la confusion, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez interrompre avec ceci ou avec cela ou n'importe quoi, vous allez mettre de l'aveuglement et des stacks de confusion. C'est insane, voilà. Sachant qu'avec avec ça, bah, votre F2 ici il va, mettre, il va mettre beaucoup beaucoup de confusion, voilà. Ensuite, mirage. Donc, bon, là on peut utiliser les H, on s'en fout, on n'a pas de H. À chaque fois qu'on utilise une compétence de Dupri, on va proc un clone. Euh, mais il faut qu'on ait au moins un clone actif au départ Donc ça veut dire que nos compétences de du prix, on en a 4, 2, 3, 4 Ce qui veut dire que basiquement on aura quasiment tout le temps 3 clones avec ce build Et c'est vraiment très important parce qu'il faut que nos clones fassent des attaques d'embuscade avec nous Les compétences de brisure confèrent vigueur euh, et, on, euh, et on obtient de, de dégâts par altération quand on a de la vigueur, donc c'est pour ça que c'est intéressant ici d'avoir la vigueur là et la vigueur qui est proc ici, parce que ça nous permet d'avoir plus de dégâts par altération, donc 150, ça permet de, de compenser le fait qu'on ait une amulette qui ne soit pas très très forte en dégâts par alté. Ici, euh, un des talents les plus forts du Mesmer, enfin du Mirage pour le coup, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire proc notre distorsion, euh, tous les clones qu'on va avoir vont exploser et à chaque emplacement de clone on va faire proc un miroir de mirage. Donc le miroir de mirage c'est ce qui nous permet d'avoir des attaques d'embuscade encore, donc ça nous permet d'avoir de longues frames d'invulnérabilité et des attaques d'embuscade pour faire du dégât et mettre de l'interruption. C'est un des talents principaux de votre build, hein. c'est vraiment ultra-ultra fort. Ici, donc, la cape de mirage vous donne de la vitesse, donc 66% de, de vitesse de déplacement, donc ça nous permet de nous déplacer plus vite. Et ici, euh, quand, on fait, quand on obtient cape de mirage, l'aptitude est aussi appliquée à nos illusions, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on aura une attaque d'embuscade, alors nos illusions aussi. À chaque fois qu'on passera à travers d'un miroir de mirage, nos, nos illusions auront aussi l'attaque d'embuscade et ça, ça permettra de faire beaucoup de dégâts et en plus de, de permettre de nous gérer également. Voilà, je vous emmène dans une game tout de suite pour vous montrer. C'est parti c'est parti donc pour cette game avec ce mirage dagger ripter dagger ripter build build assez fun. Euh, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous euh, vous, vous rappelez sans doute des certains, de certains builds de mirage euh, chaos Ruptor. J'en avais fait plein de builds d'interruption avec le mirage. Et là en fait, bah, euh, le fait que maintenant on puisse jouer toutes les armes sur toutes les, toutes les classes sans les sans d'élite, bah, ça a permis pas mal de petites choses notamment, ce, notamment cette, cette joyeuseté avec le mirage et la, et la dague. Alors, il manque clairement de deux choses, hein, ce build, hein. il, il est, euh, y, y manque un peu de mobilité, il n'est pas forcément non plus très bon en, en dispel d'altération, enfin bref, c'est loin d'être un build parfait. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même assez safe, je trouve que même dans certaines phases de duel, c'est vraiment pas mal, euh, parce que qu'il euh, y a quand même y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interruptions. Il y a aussi le fait que... Euh, le fait que, que, que vous soyez en frame d'invulnérabilité, euh, pas systématiquement, mais très souvent. Regardez le burst qui vient de prendre le Lolo là. Et euh, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Les, les gens sont assez vite surpris parce que le. Voilà, le, il, il a presque parfois un peu le feeling de, du virtuose à, à toujours bloquer. Alors là, c'est pas le blocage du coup qui fait qu'on qu qu s'en sort, c'est plutôt l'invulnérabilité le, le, avec l'esquive. Le, Ce voleur là est très très chiant. C'est impossible d'aller toucher un voleur qui veut qui joue bien et lui il joue correctement. Donc du coup, il n'est pas évident à aller chercher. Euh, donc, euh, donc voilà, il est, il est assez surprenant, je, je, je remarque qu'il y a plein, plein de gens en fait qui, que j'affronte qui, qui savent pas trop comment faire en fait et je, je peux comprendre parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de dégâts qui sortent. Et le fait qu'on soit interrompu en permanence aussi est, ça, aide pas à, ça aide pas à faire un combat, euh, un combat correct parce que ça fait que sur un envoûteur normal en fait qui jouerait pas avec ce build avec les, les interruptions permanentes là, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'interruption, parce que c'est pas vrai. Quand on joue, par exemple, avec les, les, les envoûteurs euh, Mirage, les euh, duels, illusions, celui qu'on voit le plus souvent, d'ailleurs, en, en game, il y a quand même beaucoup d'interruptions, mais il n'y en a quand même pas autant qu'ici. Là, il y en a quand même beaucoup, 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 beaucoup. Il y a quand même beaucoup de frames d'invulnérabilité de également, ce qui fait qu'affronter, c'est quand même assez chiant. Et, euh, et du coup, c'est vrai que là, bah, vous remarquerez qu'il y a pas mal de joueurs en face qui ne vont, euh, vont pas toujours savoir comment, euh, comment s'en sortir de manière, euh, de manière euh, sereine. Quoi. Et c'est tant mieux, hein. c'est tout, tout, le, tout le but. Et puis bah voilà, ça, ça, fait des, ça fait des dégâts. Je trouve qu'en teamfight aussi, il y, a, il y a quand même de quoi, de quoi faire un petit, peu de, un petit peu de zoning. Parce que finalement, bah, vu que les clones tapent aussi euh, un peu partout, les dagues partent un peu partout. Il y a le bouclier qui permet d'être en zone. Le, le, la balle magique qui tape elle aussi un petit peu en zone. La dague qui peut cleave un petit peu aussi. Ça reste pas un excellent build de teamfight, mais euh, pour du duel ou du, des petites escarmouches comme on a fait là c'est euh, vraiment ok bon par contre au niveau de la mobilité c'est vrai que de prendre le clignement honnêtement ça ça, ça aide pas mal mais, euh, mais voilà c'est vrai que là le, le, le brexton que j'ai pris là euh, il est quand même vraiment, euh, vraiment intéressant quoi donc là regardez il est obligé de, il est obligé de se barrer ce, ce, cet ingénieur là il va il va vite mais je, je vais vite aussi et euh, grâce à mes compétences d'embuscade parce que j'ai pas, pas vraiment beaucoup de mobilité, hein, c'est juste que là j'obtiens de la mobilité avec l'embuscade avec l'épée. Le, avec Donc euh, c'est euh, c'est assez cool quoi. Donc là lui il tombe, mais si je me rappelle bien... Ouais c'est ça, voilà, je me prends le respawn et là, là je suis obligé, obligé d'hyper bien respecter le le. L'incendiaire... Le, pas l'incendiaire, le... Le, le Berserker, parce qu'il joue en alté bien sûr, en ce moment la méta est alté donc euh, avec ce, ce build là, donc du coup ben, on, voit, on voit que ça. Euh, et donc je vais le respecter parce que n'ayant pas beaucoup de purge bien sûr, euh, il, me, il me ruine, hein, il me ruine complètement. Je prends un burst et je suis mort quasiment. S'il si, si me touche avec son F1, euh, je, je suis mort. Donc je suis obligé de faire très attention. Mais regardez au-delà de ça, regardez, voilà, là lui vient me, il vient me chercher, il prend quand même beaucoup de dégâts. Euh, moi, je suis encore assez safe. J'ai encore, euh, j'ai encore mon Braxton, j'ai encore mon F4, euh, j'ai encore, euh, j'ai encore mon Heal, j'ai encore mon 2. Enfin bref, je, je suis encore, je suis encore bien. Il y, y a quand même pas mal d'outils en fait pour pour, pour s'en sortir. C'est c'est vraiment vraiment chouette à hein, à faire. Et c'est, ce qui est marrant, c'est que c'est un build en fait qui euh, où on prend quasiment aucun euh, aucun talent défensif. Il n'y a rien à part les cachets de purification. Il n'y a rien de défensif dans ce build. Mais l'intérêt de ce mirage c'est qu'en fait il est, euh, il est défensif quand vous décidez de jouer offensif avec vos, vos compétences d'embuscade. Et vu que la compétence d'embuscade c'est aussi une esquive, et eh bien au final le build fait, euh, fait les deux à la fois euh, de manière assez, euh, assez correcte. Bien sûr les voleurs euh, voilà, vous, vous, en duel compliqué, faites attention quand même parce que euh, ça reste quand même un, un match-up qui n'est pas, pas toujours évident. Si vous arrivez à mettre un bon stun avec la balle magique, euh, ça peut passer. Mais derrière, ils ont tellement de mobilité. Voilà. C'est soit ils vont vous tuer, mais soit eux, ils vont partir. Mais il y aura rarement l'option où eux mourront s'ils jouent bien. Donc euh, évitez juste les, les duels contre les voleurs qui, vont, qui, qui riment à rien. Et si vous avez un fight en face avec énormément d'alté, il faut être vigilant. Voilà. Ce n'est pas injouable, mais il faut être vigilant. Parce que du coup, euh, voilà, c'est très compliqué de... C'est très compliqué de gérer la dose quand vous prenez un gros burst. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes tellement en train d'esquiver souvent qu'au final, vous allez souvent esquiver les compétences d'alté. puis, vu qu'il y a aussi l'interruption derrière, bah vous empêchez pas mal le gars de jouer. Hein. Regardez, là, ce qu'il prend, le linger, il se fait ouvrir. Il fait ouvrir. Il peut pas, peut pas vraiment jouer, en fait. C'est ça le truc, c'est que je suis toujours en train de l'agresser, regardez, avec de l'interruption. Et, euh, et derrière, euh, derrière, il se, fait, euh, il se fait avoir. quoi. Là, je vais te faire hyper gaffe parce qu'il y en a trois. Ouais, ouais, c'est compliqué. J'essaye de cleave, mais euh, c'est terminé. Je me fais en plus bump par l'ingé. Par ouais. Trop difficile. Bon, par contre, l'ingé, regardez, il est mort. Là, j'ai le gardien en plus qui est à côté de moi. Là, regardez, je suis dans les zones du, de, de, du berserker. Je prends encore le, le coup de l'arc. Pas évident. Pas évident ce, ce petit bout de fight là. Je pouvais pas faire vraiment euh, grand chose de bien mieux. Mais ça va. Le, le, le gardien s'est déplacé pile au bon moment. Et puis bah on maîtrise bien la gamme, hein. on maîtrise la gamme, on maîtrise la map. Il euh, n'y a pas trop de, il a pas trop trop de difficultés. Je crois qu'à la fin vous verrez, il y, y, y a, un moment donné où il y a un fight où je me retrouve en difficulté parce que en fait je fais le fight contre le voleur et ça se passe à peu près. Et en fait il y a l'incendiaire qui arrive, donc je vais de me barrer à cause de l'incendiaire. Et derrière je crois que c'est le voleur qui vient me chercher. Mais sinon dans les phases où c'est du pur duel en fait, c'est vrai qu'il y a tellement de, il tellement de moyens en fait de, de, d'outplay en fait avec les, 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 les différents contrôles. Que, 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 les, que les mecs j'ai remarqué qu'ils avaient quand même un petit peu du mal à, à, à bien jouer quoi. Ceux qui posent problème, c'est ceux qui vont proc pas mal de stable L'autre jour j'ai eu un peu de problème avec, euh, avec un gardien qui m'a posé problème. Bah, c'est là, là, là le duel avec le voleur. Donc là regardez qu en fait, quand il n'y a, a que le voleur en fait, c'est un fight qui se passe bien, qui est plutôt cool. Euh, là j'arrive à l'esquiver en passant dans le miroir. Là je vais pour aller chercher le voleur et là regarder en fait. Là c'est le gardien qui vient me, qui vient me chercher, euh, le guerrier pardon. Et là je prends toutes les zones et là je suis obligé de respecter de me casser, sauf que le voleur il va me retomber dessus. Ouais voilà. Backstab et c'est terminé. C'est tout le problème, c'est tout le problème. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Laissez pensez à mettre un petit like si c'était le cas. Partagez, surtout si vous avez aimé, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao